Ça fait 10 ans que je fais du storyboard. J'ai fait du storyboard papier, bon, comme tout le monde, dans les années 90 puis début 2000. Maintenant, avec l'ordinateur, j'ai commencé avec l'utilisation de la tablette graphique. Ce qui est le plus difficile, c'est le temps d'apprentissage de passer du crayon à la tablette graphique. C'est pas nécessairement l'utilisation d'un logiciel. Une fois que l'adaptation est faite, les connaissances de logiciels, si on est à l'aise avec les ordinateurs, ça se passe super bien. Donc, moi, je suis passé de papier à Photoshop. Puis avec Photoshop, ça allait bien, mais avec le logiciel de Toon Boom, toutes les fonctions sont là, tous les raccourcis pour améliorer, pour rendre le travail plus facile sont là. L'avantage principal d'utiliser un logiciel pour faire des storyboards numériques, c'est la rapidité. Le fait de ne pas avoir à utiliser la photocopieuse tout le temps pour faire des copies, redessiner des backgrounds, ou sinon le scaling des personnages. Des fois, on fait une composition, elle est un peu trop petite dans le cadre, on essaie de l'agrandir avant, il fallait utiliser la photocopieuse. Utiliser 2-3 fois pour avoir différentes grandeurs, puis après ça, découper, coller, tout ça. C'était vraiment un aria qui prenait beaucoup de temps pour rien. Puis maintenant, avec le logiciel, c'est très facile. Tout se fait automatiquement avec 2-3 glissements de souris, puis c'est ça. Pour l'économie de temps, c'est un peu difficile quantifier vraiment tout le temps que j'ai pu économiser. Mais ce que je peux dire, c'est que sans Storyboard Pro, j'aurais pas pu faire autant de travail dans cette production-là que j'en ai fait. Storyboard Pro m'a permis de faire les roughs et de pouvoir corriger après le travail des cleaners. Avec une méthode traditionnelle, ça aurait été vraiment trop de travail. Et puis dans un temps restreint, ça aurait été impossible à faire tout ça.